très belle initiative pour rendre hommage à Chloé et pour aider les Médecins sans frontières qui luttent pour aider les différents blessés, les différents surtout atteints d'une maladie infectieuse. Le RC Lens et le FC Nantes et les Médecins sans frontières s'unissent pour d'une part de rendre hommage à Chloé et pour d'une autre part aider les Médecins sans frontières qui aident les enfants et les personnes qui sont atteintes d'une maladie infectieuse. Jusqu'à samedi qui arrive, 11 maillots du match de samedi dernier entre Lens et Nantes seront mis aux enchères. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pour rendre hommage à Chloé et pour aussi aider les Médecins sans frontières qui ont du mal à aider les personnes qui sont atteintes de maladies infectieuses. Tout l'argent qui sera récolté pour l'achat de ces 11 maillots seront envoyés. Pour Chloé, je ne sais pas où ça sera envoyé. Est-ce que ça sera envoyé à la famille? Je ne sais pas pour Chloé où ça sera envoyé. Mais pour les Médecins sans frontières, ça leur sera envoyé pour les aider à lutter contre les maladies infectieuses. Ces 11 maillots sont du match Lens-Nantes de samedi dernier où on voit Chloé au milieu. C'est les maillots spéciaux que les joueurs ont portés samedi pour rendre hommage à Chloé, la fille de Kanago décédée. Donc je vais vous montrer. Non, je dirais pas, mais je vais vous montrer comme ça. C'est les différents maillots. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les différents maillots qui seront mis aux enchères jusqu'à samedi pour rendre hommage à Chloé et pour aider les Médecins sans frontières qui galèrent, qui ont des difficultés à lutter contre les maladies infectieuses. Donc vous voyez, c'est les joueurs qui ont porté ce maillot lors de la rencontre. Donc franchement, allez-y. Allez-y pour rendre hommage à Chloé et aider sûrement la famille de Chloé pour l'entraînement de la petite ou pour les aider, je ne sais pas, je ne suis pas avec eux, donc je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais pour au moins ça aussi et pour les Médecins sans frontières qui galèrent et qui essayent de lutter contre les différents enfants et les différentes personnes qui sont touchées par des maladies infectieuses et qui ont du mal à les soigner. Allez-y, foncez!